Bonjour. Allez, ça y est, on est dans les Landes. Regardez un peu ce paysage fantastique, ce ciel. Hein, franchement, bah là, pour le coup, le ciel, s'il pouvait être un peu voilé avec une petite tendance orageuse pluvieuse, ce serait pas mal parce qu'on va osciller, à mon avis, sur les 40 degrés. Allez, je vais vous montrer un truc. C'est noir. Ça a le cul orange. Donc ça vous parle, ça, non? C'est noir, ça a le cul orange, vous dites, c'est un insecte. Oui, vous avez jusqu'à la raison. Voilà, je vais vous montrer un truc extraordinaire, ça s'appelle un arbre. Donc c'est fait en bois, et non, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Donc attendez, non, mais là, c'est parce que c'est le matin, vous comprenez, je suis pas lancé, là, encore. Allez, regardez ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Alors, je mets un casque, je mets un petit filet, parce que ça bouge un peu. Alors je vais vous montrer, c'est très discret, ça aurait pu être du frelon, l'erreur est humaine, mais ça n'est pas du frelon. On va donc observer ce butineur. Donc là, ça devrait vous donner une indication. Alors ça, c'est la caisse du petit bois pour allumer. Alors, vous voyez, c'est qu'ils sont allés se mettre, ces coquinous. Donc ce qu'il faut faire dans un cas comme ça, eh bien, c'est ne rien faire, parce que voilà ce qu'on a. Alors ça m'arrivait souvent, j'avais vu des demandes de filmer des nids de bourdon. C'est pas évident du tout à filmer, hein, le bourdon, contrairement à ce qu'on croit, parce que souvent ça se cache dans des endroits où on ne peut pas trop aller voir. Et bien là, sur ce coup là celui là on peut. Alors on y va tout doucement pour pas les embêter, bien sûr, ça se précise, hein. Alors le bourdon reste quand même une abeille, ça aussi ça se précise. Donc là, le nid m'a l'air d'être juste dessous, voilà. Donc on va aller essayer de se calmer un peu. Alors je m'approche, hein, petit à petit, hein, mais le problème, c'est que pour pas abîmer leur nid, je suis obligé d'y aller bout de bois par bout de bois, et ça ne me plaît pas du tout. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à une fan de ma chaîne vidéo, de ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps qu'elle me suit, et je viens d'apprendre qu'elle nous a pondu un petit frelon. Non, pardon, on dit pas pondu, c'est pas bien. Mais un grand coucou et une félicitation à une certaine Moinette pour avoir fait un... Je sais pas comment elle l'a appelé d'ailleurs, on le saura peut-être un jour. Ah, ça y est, on arrive au sujet. On arrive au sujet, là on voit bien. Alors là, on va se calmer, parce que en fait, je veux surtout pas les abîmer. Donc on a un petit nid de bourdon, ou un gros nid de bourdon d'ailleurs. Voilà. Alors voilà comment c'est un nid de bourdon. Vous voyez, c'est des petites amphores, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est noir avec le cul orange qu'obligatoirement c'est du frelon asiatique. Allez pas gazer tout ce que vous pouvez. L'avantage de ce bourdon, c'est que c'est un pollinisateur. Alors donc, on fait toujours attention aux allers-retours d'insectes. Hein, dans un parc comme ça, par exemple, ça se voit très bien dans les contre-jours. Et là, quand vous avez un aller-retour d'insectes, c'est toujours très problématique. D'accord? Mais des fois, on peut tomber sur des insectes pacifiques, comme le bourdon, par exemple. Le bourdon, bon, alors faut pas non plus aller trop le chatouiller, mais ça pique, mais... c'est pas non plus, voilà, c'est pas des attaques foudroyantes. Et n'empêche que le bourdon, c'est un butineur, donc on le laisse tranquille. Voilà. Donc la dame était un peu en panique, mais maintenant je pense qu'elle est rassurée. Voilà, allez. Comment vous avez vu le nid de bourdon? C'est mon mari. C'est lui, en plus il n'est pas là, et il est content. C'est ça. Et comme, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé en fait? Mais en fait, il a commencé, c'est en tendant, je crois. D'accord. Il a vu deux, trois trucs voler. D'accord. Il s'est approché et je crois qu'il a essayé deux matins avec une bombe. Aïe! Ça, c'est pas bien. En plus, le pauvre, il avait failli shooter des bourdons. Heureusement, les bourdons étaient bien planqués. Et comme vous pouvez voir, les bourdons, ils étaient très bien planqués et ils sont en pleine forme. Mais attention à ce que vous gazez ou à ce que vous identifiez, parce que des fois, c'est des insectes sympas. Allez, viens voir, je vais te montrer ce que c'est un nid de bourdon. Tu fais gaffe, tu fais pas de mouvements brusques, etc. Hein, parce que autrement... des miel pops. Ouais, c'est vrai que j'y connais rien en miel pops, mais en effet, ouais, ça pourrait être des miel pops. C'est ça que tu manges, toi? T'adores ça, les miel pops? Bon, alors ceux-là, par contre, je te déconseille quand même de les manger. Parce que dedans, c'est un peu habité, c'est surtout la réserve de... En fait, c'est leur gourde.
Là, c'est leur gourde de miel. Donc là-dedans, c'est à peu près gros comme un... C'est tout petit, hein, tu vois. C'est... Voilà. Donc on va les laisser faire et puis ces petites amphores pleines de miel. Voilà. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro. À bientôt.